animals that grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. A mind full of questions and a teacher in my soul. So it goes. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis actuellement dans le Jura, à côté du lac de Vouglans. On a fait le déplacement avec mes trois potes ici actuellement pour faire un petit bivouac ici ce soir. Donc c'est plutôt sympa quoi, et bien agréable. La vue sur le lac est quand même assez sympathique. Et on a orienté les couchages pour cette nuit de façon à ce qu'on puisse justement profiter de la vue sur le lac. Donc je vais vous montrer. Premier essai avec le bivouac avec David et Eddy. Clairement plus expérimenté que moi en termes techniques et de matériel, donc on va voir ce que ça donne. J'aurais proposé le Jura, juste le Jura, le lac de Vouglans. Je pense qu'ils vont pas être déçus, donc ça commence plutôt bien. Moi c'est Eddy, ça fait déjà un moment que je fais des petits bivouacs. Je passe pas sur internet, donc c'est assez rare. Donc là j'aurai la chance d'être sur la vidéo de David. Et puis le coin a l'air vraiment sympa. Je suis jamais venu dans le Jura, donc on va voir ce que ça donne. Et puis je pense qu'on va passer un bon moment. Alors donc voilà mon couchage, hein. J'ai utilisé le tarp d'Edamoc, donc 3 sur 3 pour faire un petit couchage au sol. C'est assez rare que je dorme à même le sol, mais là avec la vue sur le côté, ça s'y prêtait quand même plutôt bien. Voilà, donc ça va être la vue pour le réveil demain matin. Ça devrait être plutôt pas mal. Donc voilà justement un des potes, Eddy, qui est en train de pêcher avec une canne à pêche artisanale, hein, totalement bushcraft. Bon, à part le moulinet, t'aurais pu faire un effort quand même. Ouais, c'est vrai. Voilà. Le moulinet, je vais le sortir après, vous allez voir. Et voilà, son couchage juste derrière. Hop là, on va nous montrer tout ça. Bon, un petit couchage simple, hein, une petite bâche, c'est une 3 par 2 celle-ci. Donc voilà, on teste, hein, on va dormir au sol pour voir ce que ça donne. Puis comme David, hein, il y a une vue exceptionnelle, voilà, ça change des fois où on est dans les bois. Donc voilà, j'avais envie de me réveiller avec ce petit paysage. Donc on verra bien. On verra donc ça c'est la vue qu'on a de la chambre à Joss, hein, parce que son couchage est juste derrière. Il va nous montrer dans quoi il va dormir ce soir. Hop, on fait un petit demi-tour. Voilà, le petit hamac. Sur soleil, j'espère couchant bientôt. Tranquille. On a privilégié la vue, hein. Le tarp il est ouvert sur l'extérieur. On n'a pas fait trop attention au vent, tout ça, peu importe. Ah, c'était la vue qui était importante. C'est vrai voilà. Qu'on n'a pas fait gaffe à tout ça. Ah, c'est un peu ça qui compte. On était omnubilé par la vue sur le lac, ouais, en fait. Ouais. Après, on aurait pu mettre le hamac dans l'eau, mais c'est une autre histoire. C'est pas toi. Ouais, on fera ça la prochaine fois. On reviendra du coup. Voilà. Première expérience pour moi dans un hamac, avec des expérimentés. On va voir ce que ça donne. On fait confiance. Ouais. Fie-toi, la nuit n'est pas finie. Oui, c'est allez, bonne nuit. Those thinking more, less is more. But if less is more, how you hey, t'en as, ça y est. Serre-le un peu. You're not lonely.
Joli. Voilà. Voilà. C'est trop facile. On aurait dû lui faire commencer par le feu à l'archer déjà. Ouais, c'est vrai. On va l'éteindre, on va recommencer. Par contre, tu as vite fait de le perdre de scène. Enfin, sinon qu'il y avait des petits poils. J'aimerais bien que ça soit un peu plus gros, histoire qu'on les mange. Mais... Et on va se régaler. Elle est quand même vachement bonne, hein. Dans la Thaïlande, quand même, en juillet, c'est top. Le problème, c'est qu'elle est un peu trop chaude. Et du coup, ça désaltère pas, ça rafraîchit pas vraiment. Eh, Eddy, le feu, on le veut, hein, en sortant. Hein. Pas de conneries. Hein. Ouais, ouais, je vais l'éteindre comme ça, parce que c'est trop galère. Comme ça, chez nous. Comme ça, dans le film. Ah, il est fou! Il l'a fait! Hey. Oh, oh, bon bah voilà, pendant que les deux zigotos étaient dans l'eau, petite perche. Je sais pas si on va bien la voir. Je vais la pas tomber, c'est là. Petite perche soleil là. Je vais la manger celle-là. C'est la Frontier Pro de Comira. J'avais pas vraiment eu l'occasion d'utiliser lors de sortie. Donc, bah, c'est plutôt bien pratique, hein. On peut la brancher sur une bouteille d'eau, etc. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On peut la tester comme ça tout de suite. Hein. Donc voilà, c'est l'eau du lac directement. Pas besoin de la faire bouillir, rien. C'est plutôt bien efficace, ça donne pas de goût à la flotte. Donc, bon produit, j'en suis bien content. S'il y en a qui veulent des infos supplémentaires, bah, n'hésitez pas, je leur parlerai peut-être un petit peu plus en détail. Puis, je vais voir les prix, tout ça, pour ceux qui sont intéressés. Magnet.
Ratatouille, c'est vrai, c'est simple. Faut enlever la grippe et remettre un peu de bleu aussi. Non mais Joss il fait pas son boulot. Vous allez voir ce qu'il faut. Ouais. Ah je l'ai, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu le maraîcher arriver là tout à l'heure au Lidl. Et... Non mais ça réduit beaucoup au feu. Alors du poulet, de la ratatouille, un pain au fond, je pense qu'on va se régaler. Merci à David qui m'a quand même installé le campement un petit peu en montrant, mais il m'a un peu tout fait, c'était un peu 3 étoiles. Donc en mode hamac avec tarpe ouvert sur le lac, donc génial. Il faisait hier 19-20 degrés, c'est ça. Donc j'étais un peu surpris cette nuit d'avoir froid en fait, j'étais réveillé par le froid. Pourtant j'avais quand même ce qu'il fallait, on a fait ça bien, mais ouais, petite surprise quand même. On a eu 7 degrés je pense ce matin, et je pensais pas avec ce qu'on avait préparé avoir froid, donc c'est une surprise. Mais sinon, j'ai adoré le concept de hamac, c'était vraiment sympa de se balancer un petit peu. Je persiste à dire qu'une petite corde pour de temps en temps tirer sur un arbre pour me balancer, ça je vais le retenir, et ça c'est pour vous, je vous l'offre, c'est une technique à moi. Donc voilà, merci à Eddie aussi de pouvoir montrer aussi toutes ces techniques de pêche, c'était assez impressionnant. Canne à pêche, tout ça, 15 poissons, j'étais bluffé, mais vraiment, vraiment. Donc voilà, merci à eux, et puis à réessayer plus tard, plus froid peut-être, mais alors peut-être avec un hamac encore mieux préparé. Voilà, merci. Alors, petit retour d'expérience sur la nuit. Je dors rarement au sol, c'est vrai que je privilégie beaucoup le hamac. Là le terrain s'y prêtait, donc du coup je me suis dit tiens je vais dormir au sol. Avec la vue exceptionnelle qu'on avait, fallait faire ça au moins. Donc vous avez vu dans la vidéo, vous allez voir dans la vidéo mon emplacement. J'ai plutôt bien dormi, j'avais un duvet, un tapis de sol autogonflant avec un petit... sur sac Gore-Tex, voilà, donc, très bonne nuit, j'étais un peu en pente, donc voilà, ça m'a un petit peu réveillé, mais sinon très bonne nuit, une bonne session de pêche, voilà, bon David n'a rien attrapé, moi j'ai dû faire au moins 20 ou 25 poissons, voilà, mais sinon ouais, très belle expérience, avec des bons gars, donc ça fait vraiment plaisir, voilà, merci à vous. Bon, bah, voilà.
Voilà, fin de bivouac pour nous. On a tout rangé, on va pas tarder à se rentrer à la maison. Hein. Donc moi au niveau de la nuit, bah, c'était plutôt pas mal. Comme Eddy, je suis plutôt habitué au hamac. Je dors rarement au sol, j'ai voulu essayer juste que le contexte s'y prêtait plutôt bien. Un petit coup de fraîcheur vers les 2h30, 3h du matin. Et puis après, ma foi, c'était plutôt agréable. Je vais vous zapper la session de pêche. Hein. Je pense qu'Eliane a assez dit sur mon niveau en pêche ici. Donc voilà, on va pas insister dessus. En tout cas, un grand merci à eux deux pour ce bivouac. C'était bien sympa. Merci à Joss de nous avoir invités dans sa région natale. Hein. Donc un coin vraiment sympa. Et je pense qu'on reviendra dans le coin faire un petit tour. Voilà, et bah écoutez, merci à tous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Salut !